envoyer la sécurité tout de suite. On a un code. On traquera tous les enfoirés de ton espèce jusqu'au dernier. Vous pensez pouvoir vous en tirer? Non, mon général. C'est l'Amérique qui va payer. Le contrat interdit les armes sur ce type d'opération. Qui doit le savoir? Le général McGowan. Mais j'ai de quoi te consoler. Un petit souvenir que j'ai rapporté d'Indonésie. Merci, Vic. Mais il y a peu de chances qu'un 40 bits me serve pour une reconnaissance aérienne. Qui sait? Où est Charlie avec son téléphone? Désolé, j'étais en train de finir de peaufiner cette petite merveille. Son signal est complètement indétectable. Oui, alors? Ça évite de se faire fliquer par la hiérarchie. C'est pour ça que t'es là, fiston. Sam? On y va. Transfert en cours. On y est. À tous, ici King. On y va. Go pour Knight. Go pour Bishop. Go pour Hook. Go pour Hook. Go pour Queen. Autre chose, chef? Préviens Sarah que je serai injoignable pour quelques jours. Sarah, elle est célibataire, non? Non. On va dire que non. Pirate pas leur réseau, on est invité. Ouais, mais c'est trop tentant. Vidéo, ok. Je l'ai. Clé de cryptage site F, 40 jours avant expiration. Laissez-le. Bishop, chef. Activez le brouillage et partez. La blacklist est lancée. Maintenant. To Andersen, ici Paladin 02, demande autorisation de décoller. Reçu. Radio HS? Non, la radio marche bien. To Andersen, ici Paladin 02, demande autorisation de décoller de l'héliport Alpha 9. Bon, ça traîne. C'est une procédure de merde. Tu ne veux pas rater ta soirée poker avec McGowan, c'est ça? Hé, hey, comment tu crois que j'ai eu l'hélico? Laissez-le. Équipe Bravo, au rapport. Go pour Bravo. Allez. Bordel de merde! M'aider, Paladin 02, on va s'écraser! Accroche-toi! On est à la base? Juste en dehors du périmètre. Magne-toi! On est trop exposé ici. Vic, aide-moi, je suis coincé. Le téléphone satellite. Ouais. Oh la vache, vous allez bien? Putain, mais qu'est-ce qui se passe? On s'est crashé, on va bien. C'est l'arsenal qui a dû péter. Où est-ce que t'es? Je suis planqué sous un camion avec mon ordi. Bon, tous les canaux sont HS, et il doit y avoir un brouilleur radio. Il y a un signal au nord-ouest. Ok, ne bouge pas. On va trouver le brouilleur. Allez! Je
te parie que ces enfoirés utilisent un de nos brouilleurs. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est ce que je ferai. Attention, Sam. Les types qui ont fait ça sont des pros, et on n'a même pas d'armes de poing. Planquons-nous dans la tranchée. Putain, c'est pas un tir de mortier. On aurait dû une Katyusha. Sam, à terre. Il est juste là. Ça marche. On se déploie et on continue à chercher. Ok, c'est dégagé. Vite, aide-moi à monter. Bravo vient de choper un caporal. Ils sont en train de le briser. Tant mieux, parce que celui-là ne tiendra plus longtemps. On s'occupe d'abord de cette caméra. Ouais, donne-moi une seconde. J'espère qu'ils auront le caporal là-bas. Celui-là a déjà l'air mort. Ouais, attends. Ok, je suis prêt. Et action. Ça tourne. Sans les communications. Je vais le stabiliser. Occupe-toi du brouilleur. Ça marche, Vic. Bonne chance.
Elliot à l'accoignement. On arrête ce truc. Je fais ce que je peux. Comment va le gosse? Pas terrible. Charlie, c'est bon. Super, c'est cool. Tout ce que vous devez faire, c'est désactiver l'oscillateur pour couper le signal de brouillage. Ne bouge pas. Ne parle pas, ok? Charlie, j'ai un interrupteur. Tu vois un bouton bleu? Ouais. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me dire, mec? Qu'est-ce que tu veux me dire? On arrête la blacklist. Le brouilleur est éteint, Vic. On n'arrêtera pas la blacklist. Grenade! Parle d'une violente attaque contre la plus importante base militaire de l'île de Guam. L'agression la plus meurtrière depuis Pearl Harbor. Un groupe se faisant appeler les ingénieurs a revendiqué l'attentat. Montrant des images effroyables de l'attaque a été dévoilée sur Internet pour faire part de leurs exigences. Ces attaques portant le nom de Blacklist. Blacklist, la Blacklist. Amérique, ceci est la Blacklist. Une nouvelle attaque tous les 7 jours. Nous avons une revendication. Nos soldats sont présents dans 153 pays. Rallier les troupes immédiatement. Sinon, nous lancerons une attaque chaque semaine. Nous ne négocierons pas. Vous n'arrêterez pas la Blacklist. Vous avez 7 jours avant la prochaine attaque. Le choix vous appartient. Nous sommes les ingénieurs. Où en sommes-nous? Paladin One et l'équipe d'échelon 4 sont prêts, Madame la Présidente. Mais on a perdu, Monsieur Fisher. Son ami est entre la vie et la mort. Trouvez Cost, vous trouverez Fisher. Il y a des centaines de morts à Guam, et un compte à rebours est lancé sur des cibles américaines. Le monde veut des réponses, Monsieur Fisher, et je n'en ai pas. Échelon 4 doit en trouver, mais il lui faut un leader pour ça. Quel coup, Vic. Je veux un des hommes de Vic et aucune question. Vous pouvez garder Charlie Cole. Et Grimes Dothier a recruté un des meilleurs agents de la CIA en soutien. Isaac Briggs. Ce sera sans Grim. Elle non plus, elle ne voulait pas de vous sur cette mission. Ce n'est pas négociable. Personne mieux qu'elle ne sait travailler avec vous. Bienvenue à Echelon 4, Monsieur Fisher. Classe, non? Première fois en avion? Non. T'as du nouveau sur cette organisation d'ingénieurs? Pas vraiment. Briggs et notre contact isolent les éventuels candidats. Et sur les noms? American Freedom, American Blood. Des attaques potentielles, avec des comptes à rebours. Bon, 5 jours avant American Consumption? Oui, c'est ça. On cherche toutes les cibles potentielles en ce moment même. Je vais te donner des infos sur l'avion. Prototype de transporteur militaire? Oui, mais avec plein de modifications. Armurerie, infirmerie, cellules, toutes les ressources disponibles au sol. Entièrement mobile, comme au bon vieux temps. Ça va, Briggs? On vient de me poser la radio hypodermique. On dirait qu'ils m'ont fait ça au burin. C'est génial. À côté Air Force One, c'est un avion de tourisme, hein, Sam? Tu veux discuter de ce qu'on peut améliorer? Après, montre-moi les lieux. Moteur de recherche multimédia, analyse prévisionnelle, expertise photo et vidéo. Plus les accès aux systèmes internationaux ELINT et à ceux de reconnaissance faciale de la CIA, NSA, DCS, FBI. Tout en temps réel. C'est à propos de ça que tu frimais? L'IMS?
Interface de mission stratégique. Nous l'avons bien améliorée depuis le premier prototype que Charlie a fait. Explique-lui les détails. Et le meilleur, c'est que tu peux tout contrôler d'ici ou de ta montre terminale quand t'es sur le terrain. Impressionnant. Ok, tu dis si t'as besoin d'un truc, je vais aller voir mes cadeaux. Merci, Charlie. Hey, Sam, j'oubliais, montre terminale. Je l'ai améliorée. Comme une IMS Lite conçue pour le terrain. Transmission, contrôle de drone, scan. Compris. Tout ce que t'as à faire, c'est la synchroniser à l'IMS, la calibrer, hop, c'est parti. Merci, Charlie. Qu'est-ce qu'on a, Benghazi ? Mon contact est dans une planque de la CIA. Ils tiennent un type qui a des infos sur Guam, mais on ne pourra pas lui parler avant qu'ils aient fini. Comment ils l'ont eu ? C'est pas eux. C'est lui qui les a contactés. Et comment on est sûr que c'est pas un cinglé qui veut faire une blague débile ? Vous avez autre chose à me dire ? Le type s'appelle Andriy Kobyn. Ça vous parle ? Attendez, on connaît ce type ? Ce qu'il faut qu'on sache, c'est pourquoi un marchand d'armes va se livrer à la CIA juste après l'opération de Guam. Si je peux me permettre, pourquoi ne pas laisser la CIA s'en charger ? Tu peux tout te permettre maintenant, Briggs. Tu fais partie de l'équipe. C'est compris. J'ai raté un épisode ? Il est notre seul lien avec les ingénieurs. On ne peut faire confiance à personne d'autre. Qui est Andriy Kobyn ? Andriy Kobyn a prétendu avoir tué ma fille pour que quelqu'un fasse pression sur moi. Wow. Comment il a fait pour rester vivant ? Bonne question. Qu'est-ce qu'on fait, Sam ? Montre-moi la planque. Sérieusement ? C'est un quartier pourri. Je sais. Bizarre, hein ? D'habitude, au Moyen-Orient, la CIA met ses agents en plein centre, bien en vue. Ça suffit. La meilleure approche, c'est par le bazar, ici. Dès que tu m'envoies le signal, je fais sortir mon contact. Ensuite, toi, tu fonces sur Kobyn. Sur un écran, ça semble toujours facile, Grimm. Sam, clarifions les choses. On parle bien d'extraction, on ne veut pas le tuer. Briggs, montre-moi les positions de surveillance. Les meilleures positions de tir sont là et là. Parfait. Attrape un kit de sniper. Chef, il faut que je vous couvre ou je dois abattre une cible. Charlie, prépare-nous un moyen de transport, ok ? Un truc discret, une camionnette. Ça marche. Tu ne m'as pas répondu, Sam. Toi, tu t'occupes de trouver un lieu d'exfiltration, par ici. C'est clair pour vous ? Allez, on se prépare, vite. Poste de pilotage, on a le go pour Benghazi. Grimm dit que tu dois garder Kobyn en vie, donc rien de létal. Je recommande des fumigènes et des aveuglantes, mais pas de frag. La situation. On a un problème. J'essaie de joindre mon contact depuis que t'es arrivé et il ne répond pas. Briggs, tu as un visuel sur le refuge ? Je viens d'arriver et ça sent pas bon. La place est infestée de miliciens. Annonce que je ne pars pas !
J'arrive sur la place. La milice bloque les accès de devant. Sam, tu veux que je change de position? Je te retrouve en bas. Prends en visuel le coin sud-ouest de la place. Reçu, j'y vais tout de suite. Grim, il faut à tout prix le contacter. Préviens-moi dès que tu passes. Reçu. Je peux vous aider? Les toilettes, vous en avez? Dans l'allée. Des nouvelles de ton contact? Négatif. La milice est partout, Sam. Je savais que ça allait mal tourner. Briggs, au rapport. Je suis en route, Sam. Attention, c'est truffé de miliciens. Ça va faire du bruit. Restons tranquilles le plus longtemps possible. Je vais vers l'entrée latérale. Putain, il était lourd, ce gars. Le régime américain. Ces gars de la CIA bouffent des hamburgers toute la journée. J'espère qu'il a profité du dernier. S'il était resté chez lui, il aurait pu continuer à se gaver comme un goé. Il a fallu qu'il vienne ici. En général, quand tu te retrouves sur le chemin du patron, tu finis les pieds devant. Je suis sûr que ce mec ne tenait pas particulièrement à ce loser de Cobie. Si on pouvait lui demander, il ne serait pas mort. Si on pouvait lui demander, il serait d'accord avec toi. T'es un marrant, toi. Combien de temps on doit attendre? Jusqu'à nouvel ordre. On surveille les sorties. Si quelqu'un fait le malin, on le bute, sans sommation. Pas d'attouchement. Rick, tu peux voir ce qu'il y a dans la planque? Négatif, j'avance encore. Est-ce qu'il faut que... Pas le temps. Je vais voir. Charlie, j'ai trouvé une clé USB. Super, j'y jetterai un œil pour voir si on peut en tirer des indices. Il y a plusieurs cibles devant toi. Une sur le balcon. Une approche furtive est possible? Rentre dans la pièce à ta droite, va vers la fenêtre et franchis le rebord. Bien joué.
Je suis en position, Sam. Aucun signe de notre contact? J'en sais rien. Bien sûr. Prisonnier ? Ouais. Ouais. Non, personne n'a encore dû le chercher. Hé, attends un peu. Pourquoi tu fais ça ? Tu as fait ton travail, toi, et moi je fais mon travail. Je suis le premier à faire ce travail, mon bachi. Je travaille avec des demeurés. On n'a rien appris de nouveau, il ne veut pas parler. Oui, ils sont en train de tout fouiller. Pas de soucis. Allah, je suis là, je suis C'est bon, le paquet est sécurisé. Bien sûr. C'est pas lui. Tu as confirmé que Cobin était là, Briggs? C'est le bon endroit, le bon bâtiment. Je supposais que... Pas de position quand je suis sur le terrain, compris? Sam, je t'écoute. Ton contact s'est fait avoir, il est mort. Il y a d'autres miliciens en route, je te conseille de bouger. Ok, trouvez-moi une sortie. Et tout de suite. Donne-moi une minute. Ok, c'est pour moi. Branche le téléphone à la montre terminale. Je peux craquer cette daube en moins d'une minute. Ok, je suis branché. Ok, ouais. Allez, Charlie. Fini. Waouh, il y a un paquet de porno là-dedans. On cherche un lieu. D'accord, j'ai tracé l'appel. J'envoie ça sur ta montre terminale. Wow, ça craint. C'est un poste de police. Briggs, on évacue, tout de suite. Bien sûr. Transport ennemi avec des troupes, une bonne douzaine. Je bouge, je couvre ta sortie. J'ai un plan du poste de police. Ça sent mauvais. Il est occupé par la milice. Et ils l'ont fortifié. Cobin est le seul moyen de savoir qui est derrière la Blacklist. On ne partira pas sans lui. Briggs, tu me reçois? Tu continues, je vais les occuper. Briggs, tu les auras pas tous. Change de position. Affirmatif, je dégage d'ici.
m'entends ? Eh ? Sam, je vois une cible qui fait partie des 10 personnes les plus recherchées par l'Anglie. Si tu la captures, on la rapatriera. في اوغاد كتير بتضيع الذخيرة في الشارع دلوقتي. Cible sécurisée. Les autorités ont été prévenues. Chemin jusqu'à Cobin. Faut que tu descendes au niveau de la rue. Compris. وتفضل على سياستنا وتفضل
attention, Sam. Le poste de police est au coin de la rue. Bien sûr. Briggs, quoi de neuf pour toi? Je suis pas loin du site. J'ai repéré un toit à 200 mètres au sud du poste de police. Je vois le bâtiment et la rue juste en face. C'est... Je suis entré. Je vérifie que je ne suis pas suivi. Est-ce que tu as pu localiser Cobin? Il doit être dans la salle d'interrogatoire. Dernier étage, au sud. Briggs, retire-toi. Prends la camionnette et va au point d'extraction. Bien sûr. Ok, j'y vais. Hey, j'ai besoin d'aide là.
Un de nos hommes est à terre. Alors on se déploie et on cherche. S'ils sont installés dans le poste de police, c'est pour y placer leurs ordinateurs. Branche ta montre terminale si t'en vois un, tu récupéreras des données. Parle-moi, Green. Pauvre merde. Parle, maintenant. Répète-moi ce que tu as dit aux Américains. On recommence. Pourquoi es-tu allé voir les Américains? Je vous l'ai dit, ça n'a rien à voir avec vous. Rien, je le jure sur ma... Tu dis qu'on n'est pas assez important pour être balancé, c'est bien ça? Non, non, c'est pas ce que je dis, non, non, non. Non, 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 ce que je veux dire, viens c'est... Tu parles beaucoup trop. Mais je pensais que vous vouliez qu'il... Ne pense pas, ça crée des problèmes. Ok, j'aurais tout dit. Ok, merde. Ok. J'ai trouvé Cobin. Il est vivant? Pour l'instant. Me tue pas. Merci. Merci. Vous êtes qui? La CIA? Oh merde, c'est pas vrai, j'y crois pas! Fisher, si c'est à propos de Washington! Ferme-la. Sam, qu'est-ce qui se passe? Non, pas ça! Non! T'es là pour me sauver? Je suis là pour sauver ce que tu sais. Assis. Sam, je sens que ça va barder. Ennemi en approche de ta position. Le collier est sécurisé, Briggs. T'en es où? J'arrive avec le van. Oh merde, il est là pour me sauver. Bouge. Vite. Aïe! Allez. Tu me feras pas de mal, hein? Quoi, tu plaisantes, j'ai même pas de chaussures. Bouge. Qu'est-ce que tu fais? Attrape ça.
Quoi, mais pourquoi ? Fais-le. Oh, putain de merde ! Briggs, ça y est, on arrive. Vraiment nécessaire. Parle. D'accord. Il y a 6 semaines, un client m'a contacté. Il voulait des armes légères, des Katyusha, un lance-missile, enfin, tout le tralala. Et il était prêt à payer cash. Tout. Et une vraie bonne affaire. Ouais, trop bonne. T'as fourni des armes à Blacklist Zero ? Eh, hey, je fournis beaucoup de monde, ok ? D'habitude, mes clients n'attaquent pas vos bases. C'était qui ? Tout ce que je sais, c'est qu'ils parlaient de l'attentat. De l'attentat de l'ambassade de Vienne, et qu'ils en étaient vraiment très fiers. Des centaines d'innocents sont morts dans cet attentat. Ouais, sans blague, c'est bien ce que je dis ! Ce type est un monstre ! Un putain de démon, ok ? Et il laisse rien au hasard ! Putain ? Semaine de merde, pas vrai ? Ce mec... Quoi ? C'est qui, ce mec-là ? Donc tu t'es livré pour être protégé ? Et pas pour que des cons comme vous me butent pour Guam, ouais ! Briggs, que dirais-tu de stocker notre nouvelle cargaison ? Avec plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Grim, toi et Charlie, vous allez essayer de trouver des infos sur le mystérieux client de Cobin. La chasse est ouverte.